obligés de faire la police auprès de leurs clients. J'espère que les clients vont tous respecter cette nouvelle norme et rentreront dans l'établissement obligatoirement avec un masque. Je ne peux pas dire à chaque client, non, vous avez le maître. Hein, mais, et ici, on est dans un petit village. Je trouve que c'est un peu ridicule, les clients, parce que ça, c'est vraiment à dégorer. Mais alors, pourquoi le président a-t-il repoussé le port du masque dans les lieux clos au 1er août? Entre autres, car il ne va pas se retenir, ce sera un lieu clos. Les salles de sport, les essais de se familiariser avec la mesure. C'est du temps pour s'approprier les nouvelles doctrines et donc le rendre obligatoire dans un certain délai permet cette période d'appropriation. Ensuite, il y a tout le travail de logistique, il y a les masques, comment s'assurer que les Français à dispo, nous devons pouvoir répondre à ces questions. Le gouvernement ne veut pas imposer le masque sans s'assurer que les stocks sont plus. Direct des policiers et des pompiers en intervention, aucun suspect n'a été pour leur interpeller. Écoutez la réaction du maire des Temples. C'est le dégoût et une immense colère. Le jour où j'ai fait cracher.